Et là, faut tourner à droite pour monter vers un point de vue. Ça grimpe bien. Ça grimpe bien, les petits copains. Bon, ça date de la dernière guerre, hein. C'était un truc allemand pour tirer en bas dans la vallée, et on continue de grimper. Regardez ça. Regardez ça, cette belle découverte. On voit la Meuse là. Et les maisons. Et on monte, on monte, on monte. On voit le point de vue là-bas. Beaucoup de roches. Voilà. Vous voyez que c'est pas le grand ciel bleu aujourd'hui, hein? Alors en bas, en face, là, dans la vallée, on a une petite usine de forge et d'estampage qui fait parfois un boucan d'enfer. C'est le marteau, ça. En fait, les points de vue se succèdent tout le long de cette roche, hein. Et vous voyez tout là-bas, il y a un autre point de vue, donc je vais m'y rendre, hein. C'est magnifique. Bon, ben là, je suis sur les hauteurs, les copains, sur les hauteurs. Ah oui, toi. Eh non, deux, non. Regarde-moi ça comme c'est beau, ça. Regarde-moi ça comme c'est beau. Oh la vache. Eh oui, toi. Ça, c'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Vain Dieu, toi. Quel paysage. C'est fantastique, tout ça. Regarde-moi ces roches-là. Ces pitons rocheux. Et puis là-bas, j'arrive vers le dernier point de vue, hein. Le dernier point de vue. En tout cas, tout ça, c'est un régal, hein. Un régal, moi je vous le dis, un régal, hein. Ah ouais, toi. Regarde-moi ça, toi. Regarde-moi ça. Voilà la vue que j'ai ici. Hein. Oh la vache. Ça, c'est de la vue, les copains, c'est de la vue. Hein. Dieu, nom des dieux.
suis sur les hauteurs de Joigny-sur-Meuse, au Grand-Duc. Une belle rando. Et puis c'est tout.